Foot est fait, bonjour. José, quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. C'est posté sur Facebook par José Gadarkan. Merci José, mais noir ou blanc, ils abattent des arbres, empoisonnent les rivières, capturent des poissons à tout va, et ils pensent que l'argent se mange sous forme de caviar et de champagne. Et je crois pas que ça soit une question de couleur. Harry Chalus, président de région, a donné consigne pour l'achat d'un surpresseur pour la section fond cacao à Capesterbello, sauf que les gens n'ont toujours pas d'eau, et parfois 4 ou 5 jours de suite, ou alors on envoie l'eau quand il n'y a personne à la maison, il faut bien que les gens travaillent, ou alors à 3 heures la nuit, hein, quand tout le monde dort, on se demande si ceux qui règlent les robinets ne se moquent pas du monde. Emmanuel, des nouvelles d'Emmanuel Valls, ancien Premier ministre. Il se présente à la mairie de Barcelone, en Catalogne, ça on le sait, c'est son pays de naissance. Il se pose en sauveur, celui qui a réussi en France, pas c'est à voir, et de retour au pays, il va faire des étincelles. Sauf qu'un récent sondage sur ses chances de l'emporter dans quelques mois indique qu'elles sont quasi égales à zéro. Eh oui. Olivier, hilarant. Ou consternant, Olivier Servat a lancé des invitations à tout va dans le landerneau politique à l'occasion de sa désignation aux abîmes. Depuis, pleuvent des communiqués des partis politiques affirmant qu'ils sont venus comme ça, ils ont vu de la lumière, ils ne soutiennent en rien Olivier Servat. Ce serait comique si ce n'était pas misérable, comme quoi les pressions agissent toujours. Ne vous inquiétez pas, Olivier Servat, il y en a quelques-uns qui vont vous soutenir. Philippe, on prête de nouveau l'intention au préfet Philippe Gustin de démettre Jacques Bambou de ses fonctions de maire. Deux autres maires seraient aussi dans le collimateur des représentants de l'État. On ne vous dira pas lesquels, mais pas si simple d'aller au bout de la logique, surtout à un an des municipales. Bonsoir et à demain.